Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous. Très heureuse de vous retrouver. On est en direct ensemble jusqu'à 20h55 avec l'équipe du vendredi. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir Babette. Marion, votre choix d'actu du jour. On vous dit tout sur la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron qui aura lieu demain dans une version low cost, paraît-il. Réélection oblige. Tradition républicaine ou monarchique, c'est la question que pose l'historien et académicien Pascal Horry, qui sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story du jour. Elle est désormais la nouvelle porte-parole de la Maison Blanche. Elle s'appelle Karine Jean-Pierre. Elle est extrêmement compétente et surtout, elle revendique fièrement son homosexualité. Elle a combattu Donald Trump. Je vous présente Karine Jean-Pierre ce soir. Et on en parle beaucoup de cette nomination aux États-Unis. Patrick, votre édito ce soir. Quel est le rapport entre les rations des soldats russes, la désinformation du Kremlin et les actions des mercenaires du groupe Wagner? Eh bien, un homme qu'on surnomme le cuisinier de Poutine et dont je vais vous raconter l'histoire. La situation en Ukraine à quelques jours du 9 mai, date extrêmement importante et symbolique pour les Russes. On en parle avec le député européen du groupe Renaissance, Bernard Guetta. Bonsoir, cher Bernard. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Mathieu, dans le 5 sur 5. Le loup est de retour en Bretagne. 110 ans après sa disparition, on a aperçu un loup dans le parc, un seul pour l'instant. La question, c'est combien y en a-t-il? Est-ce qu'il va s'installer là, dans les Monts d'Arrêt, plus précisément dans le Finistère? Voilà, le 5 sur 5 spécial loup de Mathieu Béliard ce soir. Et l'œil de Pierre? Top. Au quatrième top, il était 19h02. L'horloge parlante va bientôt se taire le 1er juillet. Je vous proposerai ce soir une manière d'oraison funèbre et horlogère. L'oraison horlogère de Pierre, c'est après 20h où on célèbre les années 80 dans toute leur splendeur. Les années disco avec cet hymne signé Patrick Hernandez, Born to be Alive. Il sera notre invité aux côtés de Jean-Pierre Madère, de Phil Barnett, de Zouk Machine, d'Emile et Images. On va beaucoup chanter. On va rajeunir, surtout juste après 20h, on gagne 40 ans. Restez avec nous pour cette cure. Oui, il a moins de 40 ans. Oh là là, il fallait qu'il la ramène toute sa jeunesse. J'étais née. J'avais déjà envie. Il est autour de la table, à moins de 40 ans. Ouais. C'est scandaleux. Bah, c'est sérieux, franchement. Eh bien, c'est la dernière fois. Et puis Camille Gandolfo est en cuisine ce soir, son dernier soir. Dernier rayon de soleil de la canne-bière ce soir dans les cuisines de C'est à vous. Chère Camille, au menu. Alors ce soir, au menu, je vous prépare des asperges blanches au parfum d'une bouillabaisse avec une petite soupe de poisson, de l'aioli, tout ce qu'il faut pour régaler les papilles. Voilà, la chef des bords de mer, cet établissement à Marseille. Merci Camille, Merci à tout à l'heure. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. Vous nous parlez donc d'un homme clé de la campagne de désinformation du Kremlin sur la guerre en Ukraine, celui qu'on surnomme le cuisinier de Poutine. Evgeny Prigogine, qui n'a d'ailleurs jamais été cuisinier, je ne sais même pas si c'est se faire cuire un œuf. En revanche, ça fait plus de 20 ans qu'il mijote des trucs pas très ragoûtants en servant fidèlement Poutine, qu'il a même souvent servi à table. Vous allez le voir ici lors d'un dîner en 2006 avec George Bush, le chauve aux petits soins avec le président américain, c'est lui. Et là, avec Jacques Chirac et Tony Blair, voilà, on le voit, Prigogine à gauche, Chirac, Blair... Et Poutine, évidemment, visite de personnalité, anniversaire privé, dîner somptueux avec caviar russe à la louche, Prigogine était là. Il était serveur ? Non, restaurateur. Prigogine possédait une dizaine d'établissements de luxe à Saint-Pétersbourg. Et puis, dans les années 2000, avec sa société Concorde, il est devenu le premier restaurateur de l'administration russe dans les cantines scolaires de Moscou, dans celles du Kremlin, dans la police... Et dans l'armée, c'est donc lui qui fabrique les rations des soldats russes, lesquels ont une réputation épouvantable. Il paraît que c'est dégueulasse. Il n'y a pas de caviar, immangeable. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, on a de multiples témoignages de soldats affamés. Certains ont trouvé dans leur paquetage des rations périmées depuis 2002. Et d'après le renseignement américain, la Russie a demandé à la Chine de lui fournir des repas militaires un peu plus frais. C'est comme ça que Prigogine a fait fortune. Ben voilà, quand vous décrochez des contrats juteux, 1 milliard d'euros annuels rien que pour l'armée, sans concurrent, et que vous servez de la merde, ben ça laisse de quoi vivre. Mais il y a une contrepartie que l'opposant Alexei Navalny a ainsi résumé dans une vidéo de 2016. Prigogine становится уже не просто поваром Путина, но и главным троллем Путина. Ведь именно ему принадлежат знаменитые фабрики ботов, расположенные в Санкт-Петербурге. Особенно это интересно тем, кто смотрит наше видео на YouTube. Вот эти все
тысячи пропутинских комментариев, которые под копирку распространяются по всем социальным сетям, организует компания нашего повара Пригожина. Заработал на школьниках и солдатах, потратил на пропутинские комментарии. Voilà, Prigogine au cœur de cette guerre de désinformation qui bat encore son plein aujourd'hui avec des usines à trolls qui tournent à plein régime pour répandre la propagande du Kremlin sur l'Ukraine. Prigogine a été nommément désigné dimanche dernier encore dans un rapport diffusé par le gouvernement britannique après avoir été accusé de s'être mêlé du Brexit, des gilets jaunes, des anti-vax et de l'élection de Trump. Évidemment, à l'époque, le FBI avait offert 250 000 dollars pour toute information qui mènerait à l'arrestation du cuisinier propagandiste. Il est encore aujourd'hui à la tête des Russes les plus sanctionnés par l'administration américaine. Et puis, il y a une autre contrepartie. Paramilitaire, celle-là. Le groupe Wagner. Voilà, le cuisinier mercenaire est fortement soupçonné de financer, de diriger en sous-main les groupes qui opèrent depuis près de 10 ans en Ukraine et en Crimée, puis en Syrie et en Afrique. Prigogine est considéré comme le pivot de l'action russe en Afrique, même s'il a un prête-nom, Wagner. Wagner, c'est le nom de guerre de Dimitri Outkin, sympathique néo-nazi que vous voyez ici avec ses tatouages Waffen-SS sur les trapèzes. Fasciné par Hitler et son compositeur fétiche, Richard Wagner, d'où le nom du groupe. Il vient d'où ce Prigogine? Qu'est-ce qui le lie à Poutine? Alors ce sont tous deux des petits voyous de Saint-Pétersbourg. Voilà, tous les deux, ils ont grandi dans la rue, ils ont fait le coup de poing. Mais là où Poutine s'en est sorti par la pratique du judo, par sa discipline, c'est comme ça qu'il est... Ça a été raconté dans ses biographies. Prigogine, lui, s'est fait rattraper par la police soviétique. Il a fait 9 ans de prison pour vol, cambriolage, trafic, agression. À sa sortie du... la colonie pénitentiaire de haute sécurité, comme on dit en Russie, en 90, il se lance dans le commerce de hot-dog, puis dans les restaurants de luxe, donc à Saint-Pétersbourg. C'est là qu'il a connu, et ce serait lié à Poutine. C'était Poutine fréquentait l'une de ses cantines. Mais il y a une autre version, moins officielle, qui dit que Prigogine, en fait, a fait fortune dans ces années-là, dans le jeu, dans les casinos. Et qui délivrait les licences des casinos dans les années 90 à la mairie de Saint-Pétersbourg? Vladimir Poutine. Voilà l'histoire de ce pseudo-cuisinier, l'homme des coups tordus et des sordides arrière-cuisines du Kremlin. Que vous inspire ce portrait du cuisinier propagandiste de Poutine? D'abord, il est remarquable. Félicitations, Patrick. Pardon, mes sources sont beaucoup de la presse anglo-saxonne. Oui, oui, oui. Et une enquête de Bellingcat aussi. Bien sûr, mais c'est bien résumé. Mais des Prigogine, il y en a... 15 à 20 autour de Poutine. Et c'est toujours le même système. C'est-à-dire qu'on assure à ces hommes des marchés d'État extraordinairement juteux, hein, en l'occurrence les rations pour les écoliers et pour les soldats, pauvres écoliers, pauvres soldats. Mmh. Et en échange de cela, eh bien, une fidélité à toute épreuve, une loyauté que même Poutine, et dans sa paranoïa, ne peut pas mettre en doute, parce que tout simplement, ces hommes doivent tout. Ils sont taillables et corvéables à merci. Mais rigoureusement tout, parce que qu'est-ce qu'il était avant? On vient de l'entendre dans la bouche de Patrick. Il était avant ce monsieur Prigogine, un petit voyou, puis un vendeur de hot-dog. C'est un système mafieux, là. Ni plus ni moins. Mais écoutez, non seulement c'est un système mafieux, mais déjà, sous Yeltsin, on parlait de Yeltsin, de sa fille, de ses principaux, déjà, de ses principales grandes fortunes autour de lui, et organisées sur le même système. Et vous savez comment on appelait ce petit monde d'une quinzaine de personnes qui logeaient au Kremlin? On les appelait la famille, en Russie. On les appelait la famille en Russie. Et ce n'était pas seulement la famille Boris Yeltsin et sa fille, c'était évidemment la famille au sens mafieux du terme. Et c'est ce qui est à la tête de l'État. C'est ce qui a perduré. Alors quand Poutine arrive au pouvoir après Yeltsin, il dit qu'il va tout nettoyer, laver plus blanc, etc. etc. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est très simple. Il convoque ces grandes fortunes qui sont aussi des hommes de main, ces hommes de main qui sont aussi des grandes fortunes, et il leur dit ou bien vous devenez mes vassaux à moi, comme vous avez été les vassaux de Yeltsin hier, ou bien vous êtes morts. Bon, ceux qui ont refusé, eh bien, ils sont morts. Ils sont morts, ils se sont retrouvés pour 10 ans en camp, comme M. Khodorkovsky, qui est un homme que je connais personnellement, qui était un homme, qui est toujours d'ailleurs, un homme parfaitement honorable, intelligent, courageux,
courageux qui avait mis en question le pouvoir et le système Poutine devant Poutine et une cinquantaine de grands hommes d'affaires. Il est resté 10 ans à l'ombre. Hein. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Il est resté 10 ans à l'ombre en camp. Et encore un régime pas très doux, je veux dire, vraiment pas très doux. Alors aujourd'hui, bon, il vit... c'est à Londres, oui, c'est ça. Okay. Il vit à Londres, il anime une fondation, il continue véritablement à s'opposer à Poutine et finance une partie très large de l'opposition. Sans doute, ça, j'en ai pas la preuve, mais enfin, on peut le penser. Bon, écoutez, peu importe. Mais, enfin, différents courants de l'opposition. Lundi, la Russie va commémorer le 77e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie à Berlin avec une démonstration de force, une parade militaire. Comment sera-t-elle perçue, c'est toute la question. Comme un ultime avertissement au monde occidental ou alors comme un criant contraste avec les difficultés de l'armée russe en Ukraine? Ce sera une énième tentative de message de Poutine, non pas aux dirigeants occidentaux, parce que là, il n'a pas d'illusion, mais aux opinions publiques occidentales. Et il va tenter, une fois de plus, de leur dire « Attention, retenez vos gouvernants, empêchez-les d'armer l'Ukraine, autrement je vais déclencher l'apocalypse contre vous. » Et alors ça, c'est très très simple. Tous ces cinémas qu'on voit invraisemblables, obscènes et vraiment dégoûtants, les plaisanteries grasses sur les 200 secondes pour rayer de la carte Paris, Londres, je ne sais plus quelles autres capitales européennes, ça a un objectif, mais très très clair. Enfin pardon, ça a deux objectifs. Le premier, c'est de terrifier, d'essayer de terrifier les opinions occidentales pour qu'elles fassent pression sur les gouvernements, etc. Et le deuxième, c'est de dire à l'opinion russe et à son électorat, bon, écoutez, vous avez bien entendu que ça ne se passe pas tellement bien pour ça que nous, pour nous en Ukraine, mais rassurez-vous. De toute manière, vous voyez bien les armements qu'on a, donc nous sommes invincibles. Il y a ce double message. Alors, premièrement, ils ne sont pas invincibles. Deuxièmement, ça ne marche pas tellement bien. Ça marche un peu. Ça marche. Je vois bien, en Italie, parfois en Allemagne, il y a une féministe célèbre, traductrice de Simone de Beauvoir, qui a essayé, comme ça, de mobiliser sur le thème « Non, non, n'armons surtout pas l'Ukraine, oui, parce que ça va fâcher Poutine. » Or, le problème, c'est exactement le contraire. Il ne faut pas se poser la question de ce qui va fâcher ou ne pas fâcher Poutine. Il faut se poser la question de ce qui est susceptible de l'intimider ou de ne pas l'intimider. Et ce qui est susceptible de l'intimider avant non seulement qu'il écrase totalement l'Ukraine, mais qu'il passe à d'autres pays ensuite, eh bien, c'est tout simplement de donner les moyens à l'Ukraine de résister à cette agression militaire caractérisée. Il faut arrêter de dire que armer l'Ukraine, c'est mettre le doigt dans une escalade, un mot qu'on entend beaucoup et qui est d'ailleurs adressé autant à Vladimir Poutine qu'à Joe Biden, qu'on accuse aussi d'entretenir l'escalade. Vous me faites très plaisir parce que c'est le thème d'un papier que j'ai fait il y a 8 jours. Ben oui, je vous ai lu. Ah, vous m'avez lu. Bon, mais écoutez, vraiment, ça me choque. Ça me choque et c'est choquant que l'on puisse mettre sur le même pied l'homme qui agresse un pays, qui ne lui a rien fait. Enfin, il n'y a pas de soldat ukrainien qui est pénétré sur le territoire russe. Non, il y a au contraire une fédération de Russie qui a déjà annexé la Crimée, toute une partie du territoire ukrainien, et qui contrôle, par le biais de soi-disant indépendantistes, une partie importante de deux régions du sud de l'Ukraine, du Donbass. Eh bien, certaines personnes en arrivent à mettre sur le même pied cet agresseur et un président des États-Unis qui, comme l'Europe, et plutôt moins que l'Europe jusqu'il y a 15 jours, même nettement moins que l'Europe jusqu'il y a 15 jours, envoie des armes à l'Ukraine pour se défendre. Que je sache aider un pays à se défendre contre une annexion militaire et une tentative de réintégration à un empire, ce n'est pas scandaleux. Ce qui serait scandaleux, c'est de ne pas le faire. Ce serait la honte absolue pour l'Union européenne de ne pas le faire. Et deuxièmement,
ça serait une folie absolue de ne pas le faire. Parce que si M. Poutine pouvait constater qu'il peut mettre faire main basse sur l'Ukraine sans que personne ne bouge, ni l'Union européenne, ni les États-Unis, mais attends, pourquoi s'arrêterait-il en si bon chemin? Ben, il récupérerait à ce moment-là les trois pays baltes, il récupérerait la Géorgie, il récupérerait la Moldavie, il récupérerait la Biélorussie qu'il contrôle déjà politiquement parlant par le biais du dictateur local M. Loukachenko, mais qu'il n'a pas annexé. Or, M. Poutine a écrit très clairement que pour lui, il n'y avait pas d'Ukrainiens, qu'il n'y avait pas de Biélorusses, qu'il n'y avait que des gens qui appartenaient à l'Empire russe. Et c'est ça la grande différence. Enfin, il faut vraiment bien saisir que dans l'esprit de M. Poutine, il ne s'agit pas de reconstituer l'Union soviétique, parce que pour lui, l'Union soviétique, c'est abominable, parce que l'Union soviétique avait reconnu, sur le papier uniquement, enfin, quand même sur le papier, bon, des structures politiques de représentation des différentes nationalités au sein de l'Union. Il y avait une république d'Ukraine, il y a une république de Moldavie, de Géorgie, etc., etc. Eh bien, lui dit non. Il y a un empire. Enfin, il y a la Russie. Mmh. Alors, il n'emploie pas le mot empire. Il dit, il y a la Russie. Et aucune tête ne doit dépasser. Vous parliez d'intimidation. Dans un autre registre, Bruxelles souhaite allonger la liste des personnalités sanctionnées pour leur proximité avec Vladimir Poutine. Parmi elles, il y a la femme cachée. Il y aurait la femme cachée de Vladimir Poutine, l'ex-gymnaste Alina Kabaeva, qui fait la une de Paris Match aujourd'hui. Une relation qu'a démenti le dirigeant russe en 2008. Est-ce que la sanctionner, c'est-à-dire lui interdire l'entrée dans l'Union européenne, le gel de ses avoirs, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur Vladimir Poutine? Écoutez, en soi, non, évidemment pas. Mais si on sanctionne ce qu'on fait, et à raison, si on sanctionne tout l'entourage le plus proche maintenant de Vladimir Poutine, mais aussi ses hommes de main, dans le genre de son cuisinier dont nous parlait Patrick à l'instant, ben oui. Il y a un moment où, premièrement, Poutine se sent quand même un petit peu cerné, parce que le prochain sur la liste, c'est lui-même. C'est lui-même, évidemment. Écoutez, vous savez, dans toutes les démocraties, nos impôts financent des services secrets. Ben, si ces services secrets ne savaient pas, au moins partiellement, où est la fortune cachée, dans quelles îles, dans quels paradis fiscaux de M. Poutine... Bah écoutez, moi, j'arrêterai de payer mes impôts immédiatement. Mais d'après les renseignements américains, elle est l'une des bénéficiaires de la fortune de Poutine. Bah évidemment. Évidemment, parce que c'est un homme aimant. Il aime ses femmes et il aime ses filles. C'est dit. Aujourd'hui, un nouveau convoi de l'ONU était en route vers l'usine Azovstal, la dernière poche de résistance de Marioupol, où près de 200 non-combattants seraient encore piégés. Ces derniers jours, près de 500 civils ont pu être évacués. Pour ceux qui restent, c'est le désespoir qui règne. Regardez ces deux destins, ces deux voisins. En quelques mots, ils disent la guerre pour les civils, piégés ou pas, mais sans plus d'horizon. Les obus russes qui visent Azovstal passent juste au-dessus de sa tête. Les bombardements, les avions. La moitié de la route est ouverte, l'autre moitié elle est fermée à cause des combats. Ici, on est comme sur la ligne de front. Et puis, elle cuisine pour son voisin. Sa femme est morte le 9 avril dans un bombardement. Je ne sais pas comment l'éclat lui est rentré dans la tête. On était serrés côte à côte. Elle a été touchée et pas moi. Et c'est fini. Je l'ai enterrée. J'ai fait une inscription. Tout est comme brûlé à l'intérieur de moi. Je ne ressens plus rien. Aujourd'hui, un parlementaire russe de haut niveau a dit en toute simplicité que la Russie resterait pour toujours dans le sud de l'Ukraine. Marioupol est perdu aujourd'hui? Pratiquement, oui. Pratiquement, il faut voir la réalité en face. Les Ukrainiens continuent à contrôler une partie, je ne sais pas petite ou grande, je n'en sais rien, mais je crains une petite partie d'un immense complexe sidérurgique situé dans cette ville, mais ils ne contrôlent plus que cette partie du complexe sidérurgique. Le reste de la ville est aujourd'hui aux mains des Russes. Mais vous savez, il ne faut quand même pas oublier qu'en quasiment 2 mois et demi de guerre, les Russes se sont assurés le contrôle de deux villes en tout. Et encore à Marioupol, ce n'est pas un contrôle complet. C'est exactement, que mes amis belges me pardonnent cette comparaison,
si nous avions demain un Poutine, Dieu nous garde, à la tête de la France, et que ce Poutine français décidait d'envahir la Belgique, le même rapport de force, hein, et qu'au bout de 2 mois et demi, nous avions conquis, enfin la France de ce monsieur, avait conquis 2 villes. Qu'est-ce qu'on en penserait? C'est un échec, mais humiliant, à un point stupéfiant pour M. Poutine, son régime, pour son armée. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'il martèle nuit et jour à la télévision nos armes atomiques, on va pulvériser, gna 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 gna, on va pulvériser Paris, mais il n'est pas capable de gagner en Ukraine. Vous savez, si ce n'était pas si abominable, ce serait franchement comique, parce que c'est grotesque. C'est grotesque, simplement ce grotesque, c'est dans un bain de sang et d'abomination. J'ai lu, il y a 2 jours, des témoignages sur les exactions commises au Parlement, sur les exactions commises par l'armée russe. Je ne vous raconterai pas les viols et les viols d'enfants. Je vous raconterai simplement une scène très documentée d'un témoin. Ils étaient 2 prisonniers aux mains des Russes. Les soldats russes sont arrivés et ont dit à son coprisonnier « Abat-le, tue-le ». Et le type a refusé. Il dit « Non, je ne tuerai pas ». Alors ils se sont tournés vers l'autre et ils ont dit « Bah alors tue-le lui ». Ils ont tué l'un des deux, le premier. Ils l'ont tué, une balle dans la tête. Et le type racontait « J'ai été couvert du sang ». Pardonnez-moi. « J'ai été couvert du sang de l'homme qui avait refusé de me tuer ». Et le reste, c'est 1000 fois pire. Mais ça, je ne peux pas vous raconter. Ce n'est pas possible. Merci Bernard Guetta. Vous restez avec nous ? Avec plaisir. On va continuer à commenter l'actualité. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Salut. Une nouvelle porte-parole à la Maison-Blanche. Oui, ce n'est pas le pire job du monde, mais pas loin, en tout cas presque. Porte-parole de la Maison-Blanche, un exercice hautement périlleux pour celle qui se présente chaque jour face aux médias. Hier, Joe Biden a choisi Karine Jean-Pierre pour succéder à Jen Psaki, une passation de pouvoir retransmise en direct à la télévision. We wanted to build a drama-free, on your best days, a place, workplace, where everybody worked hard. Where we, on our best days, we're rebuilding trust with the public. And I'm just so grateful to have had Karine by my side for this over the last 15 months. And I just can't wait to see her shine at the podium. So congratulations. And I can't wait to see you bring your own style and brilliance to this job. Love you, Jen. Love you. C'est la première fois que ce poste est attribué à une femme noire ainsi qu'à une personne ouvertement lesbienne née en Martinique de parents haïtiens qui ont ensuite émigré aux États-Unis. Karine Jean-Pierre est le symbole du rêve américain, parfaitement francophone. Elle avait travaillé sur les campagnes de Barack Obama avant de s'attaquer à Donald Trump. I am everything that Donald Trump hates. I'm a black woman, I'm gay, I am a mom. Both my parents were born in Haiti. And they came here for the American dream. I know one day as she's learning about Donald Trump and as she's learning about this political moment, she's gonna look at me and be like, what did you do, mama? Like, what were you doing when all of this craziness was happening? And I wanna be able to tell her, this is what I was doing. I was working for MoveOn.org. We organized, we fought, and we made sure that we beat back this bigotry, this hate that was espousing from 1600 Pennsylvania. Un père chauffeur de taxi, une mère soignante à domicile, Karine Jean-Pierre décroche un diplôme de la prestigieuse Université de Columbia. Très engagée politiquement depuis son plus jeune âge, notamment sur les sujets de la protection de l'enfance et de la santé mentale, elle a révélé avoir été victime d'agressions sexuelles dans son enfance et de dépression. Arrivée tout d'abord comme porte-parole adjointe, elle avait participé à son premier briefing l'année dernière, non sans émotion. I appreciate the historic nature, I really do. But I believe that, you know, being behind this podium
being in this room, being in this building is not about one person. It's about, you know, what we do on behalf of the American people. Clearly, the president believes in representation matters, and I appreciate him giving me this opportunity. Joe Biden s'est dit fier de cette nomination dans un communiqué. Le président y loue aussi l'expérience, le talent et l'honnêteté de sa future porte-parole. Cette nomination entre aussi dans une stratégie politique et de communication pour le président américain. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans une année électorale et que Joe Biden est à la traîne dans les sondages. Il est accusé par une partie de la gauche de ne pas en faire assez, notamment pour la cause des Afro-Américains. Et c'est dans cette optique qu'il a à la fois nommé Kamala Harris vice-présidente, mais aussi la juge Jackson à la Cour suprême. Ça jure par rapport aussi à l'administration Trump, qui, elle, avait été très blanche. Et là, si vous voulez, cette dernière nomination permet en quelque sorte de s'excuser auprès de cet électorat qui a fait sa victoire en 2020 et aussi... de montrer qu'il s'occupe, qu'il se préoccupe du sort des minorités, notamment des Afro-Américains. Bernard Guetta, on revient en France. Selon une enquête Odoxa, Le Figaro, qui vient d'être publiée, 68% des Français sont indifférents au sexe, à l'âge et à l'orientation politique du futur Premier ministre. Ils veulent surtout un élu de terrain. Nous ne sommes pas comme les Américains, nous ne sommes pas intéressés par les symboles. Non, ce qui est vrai, absolument vrai, c'est qu'en France, on s'intéresse beaucoup moins, en tout cas ouvertement, à la vie privée de nos responsables politiques ou même simplement des personnalités du pays qu'on le fait aux États-Unis. Aux États-Unis, ben oui, voilà, il faut dire. Il faut dire, hein, voilà, je suis homosexuel, je suis marié à une femme, j'ai adopté un enfant, etc. On n'exigerait absolument pas. Pas ça ou beaucoup moins. Et la religion, naturellement. On n'exigerait pas ça, et à mes yeux, heureusement, oui. En France. En revanche, le résultat de ce sondage, écoutez, je suis un petit peu sceptique. Je me demande si nos compatriotes, ou du moins ceux qui ont été interrogés, ne sont pas un petit peu pudiques sur la réalité. Parce que je crois que les électeurs, beaucoup d'entre eux en tout cas, ne sont pas totalement indifférent, pas à 100%, en tout cas au moment où ils mettent leur bulletin, au sexe et à beaucoup de choses. À l'âge, naturellement. À l'âge, à l'apparence physique, à tout ce que vous voulez. On se fait là plus vertueux que nous ne le sommes. Merci beaucoup Mohamed, à tout à l'heure pour la Story Média. Demain, 11h, aura lieu la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron. Réélection oblige, ce sera sobre et court, beaucoup plus que d'habitude, Mario. Absolument, précisons qu'il s'agit d'un moment symbolique mais important de notre vie politique. C'est le général de Gaulle qui en a dicté les codes en 1958 en imposant que la cérémonie soit filmée et retransmise à la télévision. En 1969, Georges Pompidou reprend peu ou prou le même canevas. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing modernise le protocole en costume de ville. Il demande que le collier de Grand Croix de la Légion d'honneur lui soit présenté et non mis autour du cou. En 81, François Mitterrand marque les esprits avec son hommage à Jean Jaurès, Victor Schœlcher et Jean Moulin au Panthéon. Quant à Jacques Chirac, davantage que son investiture, le public retiendra le départ d'un François Mitterrand, justement malade, affaibli par 14 ans de pouvoir et qui décédera 6 mois plus tard. Car les investitures sont aussi des au revoir, comme celui de Jacques Chirac face à Nicolas Sarkozy. Quand je redescends, je vois dans son regard qu'il y a un vide, quoi. Et que lui qui a toujours vécu dans les palais, qui a toujours été au pouvoir, c'est la fin. Et moi, ça me serre le cœur. Et donc, je vais plus loin. Je l'accompagne sur le perron, je descends les marches. Je l'ai applaudi, j'ai attendu qu'il s'en aille. Parce que c'était une page de sa vie qui se terminait. François Hollande, 5 ans plus tard, n'aura pas les mêmes égards pour Nicolas Sarkozy, qui ne sera pas raccompagné jusqu'à sa voiture et s'en plaint encore aujourd'hui. En 2017, investiture sans aspérité pour Emmanuel Macron. Notez le message qu'on devine sur ces images, sur les lèvres de François Hollande, sur le départ qui lui dit « bon courage ». Alors le plus jeune président de la Ve République, pour asseoir sa légitimité, envoie un message clair. Il est chef des armées et remonte l'avenue des Champs-Élysées, debout, dans un véhicule militaire. Une première. Rien de tout cela
demain. La cérémonie devrait ressembler, vous le disiez Babette, à une version low cost de celle d'il y a 5 ans, sobre et dans le respect des principes républicains, indique la présidence. Pas de long tapis rouge dans la cour de l'Élysée. Il sera à mi-longueur pour les invités. Je ne sais pas bien ce que ça désigne et ce qui s'arrête en bas des marches. Pas de remontée des Champs-Élysées non plus. Sinon, comme d'hab, à 11h, Emmanuel Macron fera son entrée dans la salle des fêtes au son du premier mouvement du concerto pour hautbois de Handel. Les anciens présidents Nicolas Sarkozy, François Hollande et l'ex-premier ministre Édouard Philippe devraient être de la partie, mais aussi des soignants, des élus, des sportifs et des responsables d'associations. Enfin, comme le veut la coutume, 21, je suis chiche, coups de canon seront tirés aux Invalides, une tradition dont les origines remontent au Moyen-Âge, peut-être le petit côté monarchique de la République. Bonsoir professeur Pascal Horry, historien et membre de l'Académie française. Vous rassemblez certains de vos textes consacrés à la souveraineté populaire, mais aussi au fascisme et à la collaboration dans cet ouvrage publié il y a quelques jours seulement. Oui. Voilà, ce côté obscur du peuple. Cette cérémonie d'investiture, c'est quoi? C'est un couronnement républicain? Oui, toutes ces métaphores, couronnement républicain, monarchie républicaine, sont des jeux de mots. Mais la réalité, c'est que je pense qu'un député européen comme Bernard Guettard y est sensible. Si vous vous élevez un peu au-dessus de la France, on a beaucoup regardé la France, les Français ont regardé la France, d'accord? Mais nous sommes une exception en Europe occidentale. Une anomalie, dites-vous. Mais oui, anomalie au sens étymologique du terme. Nous sommes hors normes, anormaux. C'est-à-dire que nous avons un régime présidentiel. Certains spécialistes de droit constitutionnel vont chicaner en disant semi-présidentiel. Mais nous sommes clairement beaucoup plus présidentiels que tous les pays voisins. C'est quand même impressionnant. Ça devrait faire réfléchir. Pour ou contre, d'ailleurs. Mais d'où cela nous vient-il? Voilà. Et on ne s'est pas du tout interrogé sur cette anomalie pendant la campagne présidentielle. Mais voilà, ça vous a frappé? C'est ça qui m'a frappé. Ça allait de soi. Et soyons un peu suisse-allemand. Belges, luxembourgeois, italiens, prenons tous les pays riverains en quelque sorte, là, il n'y a non pas un problème, il y a une question. Si on ajoute à cela une tradition très centralisatrice de la France, vous allez même jusqu'à dire qu'on est dans un pays où la tradition politique est autoritaire. À partir du moment où on parle de tradition, où on remonte aisément les siècles, on est obligé de faire intervenir l'héritage catholique, qui est entre autres, pas seulement... Parce que les cultures religieuses, on en a parlé, c'est fondamental pour interpréter une culture nationale. Mais entre autres, centraliste, c'est toute la différence avec la logique protestante. Et puis par ailleurs, nous sommes un pays de tradition monarchique. Et Tocqueville avait été le premier à indiquer que par-delà l'apparente césure de la Révolution, il y a des fortes parts de continuité. J'ajouterais, non pas pour nous accabler, c'est simplement à mettre sur la table et après on discute, nous avons inventé, moi je le soutiens, la démocratie autoritaire moderne. Je précise moderne, parce qu'on pourrait trouver des précédents. Elle s'appelle Napoléon Bonaparte, dont Madame de Staël disait génialement, c'est Robespierre à cheval. C'est-à-dire 50% d'héritage de la Révolution, 50% de restauration de la monarchie. Et ça, c'est d'une certaine façon spécifique, je vais presque dire génial. Ça va se retrouver ailleurs, ça donnera à dire un second empire. Et la Troisième République, par exemple, va sans arrêt se construire contre ça. Il ne faut pas oublier que le second empereur, c'est quelqu'un qui avait été élu président de la République au suffrage universel. C'est un conseil que je donnais à mes étudiants, si vous voulez prendre le pouvoir, soyez déjà au pouvoir, ça facilite les choses. Bon, bah c'était le cas de Louis-Napoléon Bonaparte, ça fait réfléchir. Patrick, vous vouliez intervenir? Non, mais effectivement, c'est un rappel utile que Napoléon III a inventé l'élection du président au suffrage universel. En tous les cas, la République l'avait inventé, lui a porté sur un plateau, il a gardé le pouvoir. Bon, quand vous dites autoritaire, évidemment, ça n'a rien à voir avec d'autres régimes autoritaires. On en parlait quelques instants plus tôt, celui de Vladimir Poutine. Ce besoin d'autorité ils l'ont demandé les Français ou ils ont fini par s'y habituer? Alors, premier point, ça n'a rien à voir. En effet, pour moi, la typologie est la suivante. Il y a les démocraties libérales, nous en faisons partie, l'Europe occidentale est régie par des démocraties libérales. À l'intérieur desquelles, il peut y avoir une nuance parlementaire, partout ailleurs, et puis présidentielle. Après, moi, je n'hésite pas à dire qu'il y a des démocraties autoritaires. Je mettrais d'ailleurs la Russie dedans. Voire des démocraties totalitaires. Alors, ça peut paraître scandaleux, un oxymore, mais pas du tout. Parce que, dans la définition de la démocratie, qu'est-ce que vous avez fondamentalement? La souveraineté populaire. Vous n'avez pas la liberté dans la définition
ce qui fait vraiment démocratie. C'est la démocratie libérale qui intègre la liberté. Mais la démocratie autoritaire, pour moi, c'est un concept qui tient la route. Et on comprend à ce moment-là que ces régimes qu'on appelle aussi illibéraux, etc., soient quand même aujourd'hui assez fréquents, y compris en Europe, a fortiori hors d'Europe. Et je n'hésite pas à ajouter démocratie totalitaire. Parce qu'il faut quand même poser la question de la démocratie. Il n'y a plus rien de démocrate en Russie, mais une démocratie totalitaire. Non, le problème de la définition, c'est une question de définition. À partir du moment où vous pouvez vous réclamer de la souveraineté populaire, il est évident que ça peut produire des régimes de dictature. Alors vous allez me dire quels sont les États à la surface de la Terre qui ne seraient pas de souveraineté populaire. Il y en a une petite poignée qui font réfléchir. Bah, l'Arabie saoudite. Rien que le nom de l'Arabie saoudite indique bien qu'on est dans l'ancien régime. Le droit divin. Oui, dynastique. L'Empire ottoman, c'est exactement la même chose. Donc ça fait réfléchir. Regardez donc la constitution de l'Iran. Vous voyez que l'Iran n'est pas du tout dans cette perspective-là. J'ai lu le préambule de la constitution iranienne, il faut le faire. Eh bien, le peuple souverain iranien a chassé son despote, qui était le Shah, et avec un chiffre que j'ai déjà oublié, de l'ordre de 93%, il a décidé de fonder la révolution. Là, on est dans un autre monde. Donc, et ma question sur le besoin d'autorité, les Français en ont eu besoin, en ont besoin ou se sont habitués? Oui, historiquement parlant, c'est très intéressant. Tous ces pays qui nous environnent avaient des expériences traumatisantes, soit d'occupation comme la Belgique, etc., sur des fondements libéraux, soit des expériences tout aussi traumatisante, plus encore, de régime totalitaire ou autoritaire, de Salazar, Franco, à Mussolini ou Hitler. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont construit par rapport à ça, après, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, des régimes parlementaires, très souvent décentralisés. La France avait un régime parlementaire à la clé, la 4e République, parce qu'on a eu l'expérience de la 3e et 4e, sauf que la guerre d'Algérie a bloqué le système, et qu'au moment même où s'installait sur la durée, ces régimes parlementaires tout autour de nous, nous avons fait le choix d'un renforcement de l'autorité de l'exécutif. Je précise que je ne mets aucun affect là-dedans, mais je le constate. C'est contre-cyclique. Et les crises qui s'annoncent, climat, précédemment pandémie et l'Ukraine, ça va renforcer le besoin d'autorité. Et après, Bernard Comment ? On peut le penser. Je ne suis pas de ceux qui pensent que si la prophétie, ce n'est pas du tout un jugement de valeur, c'est une prophétie écologique et vérifiée, que la démocratie participative progressera. Je suis un peu dubitatif. Bernard, vous vouliez commencer. Mais il y a une autre raison, je crois, c'est que les Français sacralisent le rôle de l'État, parce que l'État a fondé la nation. En France, ce n'est pas l'inverse. Oui, et l'État a fondé la nation, donc l'État a un rôle central. Donc l'incarnation de l'État, qui est le chef de l'État, qu'il soit monarque ou président de la République, a évidemment, logiquement, c'est l'histoire, un pouvoir supérieur à celui d'un premier ministre, d'un président du Conseil italien ou d'un chancelier allemand, etc., etc. Et vous disiez tout à l'heure, à très juste titre, que la religion compte évidemment dans le façonnage des systèmes et des traditions politiques, mais l'histoire. Mais les deux sont liés. Mais je précise que nous avons quand même instauré une troisième république, juste à côté de la pauvre quatrième, qui a duré, qui a été très réformatrice et qui était alors un parlementaire pur sucre. Ça, c'est clair. On peut se poser la question de savoir si les Français qui ont eu beaucoup de goût pour la présidentialisation des institutions, l'élection au suffrage universel, etc., est-ce qu'une partie d'entre eux, par leur abstention, ne sont pas en train de remettre en cause cette verticalité où ils estiment que le peuple n'est pas assez représenté? Ça, c'est tout à fait possible. Je ne sonde pas les reins et les cœurs. Mais regardez ce qui se passe en Suisse. Nous avons quand même sous nos yeux, ça se passera le 15 mai, la prochaine votation. La votation, c'est vraiment la preuve que toute l'expérience historique suisse est fondée sur la démocratie. L'expérience historique française est fondée, en effet, sur l'État. Alors, c'est pas incompatible, mais ça donne une couleur différente. Tout d'ailleurs, le rôle économique de l'État en France, qui est bien supérieur à celui des autres. Et d'où le succès du socialisme autoritaire en France. Tout à fait. Oui, moi je voulais vous poser une question aux spécialistes du fascisme. Babette citait tout à l'heure vos textes qui sont publiés dans ce recueil
chez Bouquin. Est-ce que, il se trouve que j'ai fait un papier là-dessus il y a quelques semaines et ça m'intéresse d'avoir votre point de vue. Est-ce que la Russie de Vladimir Poutine, avec sa férule totalitaire, son idéologie à la fois expansionniste et impériale et réactionnaire, est-ce qu'elle peut s'apparenter à une forme de fascisme ? Ou est-ce que vous pensez que ça doit être historiquement et géographiquement situé et daté ? Je pense quand même que si c'est une démocratie autoritaire, vous avez prononcé le mot totalitaire, on peut discuter, parce que je fais une différence pour l'instant entre la Russie et la Chine. Les évolutions sont tout à fait envisageables. Mais je pense que, par exemple, il y a quelque chose de fondamental dans le fascisme, qui est le rôle d'un parti. Et c'est pas secondaire. Oui, c'est vrai. Il se confond avec l'État. Il y avait une discussion derrière. Pour... Rien que ça, ça ne me ferait pas entrer dans le type pur. Mais bien entendu, sur le fond, on a affaire à un pouvoir charismatique qui, évidemment, accapare les différentes fonctions. Oui, ça peut se rapprocher. Pour moi, le fascisme, c'est surtout la forme extrémisée du populisme. Entre parenthèses, la France, d'après moi, a testé le premier populisme au sens moderne, c'était le général Boulanger. Il a échoué. C'était absolument ça. C'était l'appel au peuple. C'était la convergence droite-gauche. Je n'ai pas dit rouge-brun. Mais on parle toujours de Boulanger parce qu'il était à l'extrême droite. Le populisme, pour moi, aboutit à l'extrême droite. C'est une droite radicale, mais dans un style de gauche radicale. Et dans l'état-major de Boulanger, prenez une loupe. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a d'une part des monarchistes populaires qui ont compris qu'il fallait que ça change. Le suffrage universel, ça ne les gêne pas du tout, puisque le peuple est saint. C'est la bourgeoisie voltairienne qui est des... Mais il y a des communards. Il y a tout un paquet de communards auprès de Boulanger. Bien sûr, socialistes autoritaires, ce sont des blanquistes. Mais alors justement, pour en revenir à la France d'aujourd'hui, on a désormais un échiquier politique qui se divise en trois blocs, extrême-gauche, extrême-droite, centre. Est-ce que c'est inédit ? Est-ce que c'est la fin du bon vieux clivage gauche-droite qui avait généralement absorbé le centre, justement ? Je dirais que ce n'est pas vraiment inédit dans la mesure où on a un système qui cultive aussi la bipolarité. Parce que ça permet de faire du président, quelle que soit sa couleur d'ailleurs, l'arbitre suprême. Et toutes les réformes de la Constitution depuis 58, celles de 62, dont 65, mais celles de 2000-2002, vont dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on est non seulement centraliste, on va dire autoritaire, sinon monarchique, mais par ailleurs, nous sommes bipolarisateurs. Regardez, dans les pays dont je viens de citer le nom, on ne va pas les répéter, vous avez un mot magique qui est coalition. Vous avez actuellement, dans plusieurs de ces pays, les Verts qui gouvernent avec les libéraux et avec une partie de... Les sociaux-démocrates. Bon, c'est l'Allemagne, c'est entre parenthèses le cadre du Luxembourg, donc tout le monde se fiche, bien injustement. Donc, la coalition, en France, le mot symétrique, c'est la cohabitation et c'est mal vu. Et voilà. Pascal Horry, ce côté obscur du peuple, ça c'est une anthologie de vos textes, mais je recommande quand même votre tribune publiée récemment dans Le Monde. On s'en est beaucoup inspiré pour vous poser des questions ce soir et on lit aussi Le Monde quand Bernard Guetta s'y exprime. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir à toutes et à tous. Salut Mathieu. Salut Mathieu. Mathieu, on commence avec un drame. Oui. La mort d'une spéléologue lors d'une sortie scolaire. C'est une sortie scolaire qui était organisée dans les cuves de Sassenage. C'est une grotte proche de Grenoble, en Isère, dans laquelle se trouvait une classe de 5e d'un collège du département, une enseignante et deux spéléologues. Le groupe a été surpris par une brusque montée des eaux, une crue. Les adultes ont fait sortir les enfants, mais sont restés bloqués sous terre. Deux se sont abrités dans une cavité souterraine, mais une des deux guides, Sabine Lorne, n'a pas survécu, spéléologue expérimentée de 55 ans. Elle a probablement péri en faisant sortir les enfants. On sait en tout cas qu'elle a permis la sortie d'une adolescente in extremis. La guide décédée, en aidant à sortir les derniers enfants de la grotte, s'est mise en danger et a sans doute offert sa vie pour sauver les derniers enfants à sortir. Mais encore une fois, c'est le récit sur le site qui nous a été fait. Suite à l'incident de 2002, on a mis des protections et des avertisseurs. Après, ce sont des professionnels qui accompagnent ces enfants. Ces professionnels connaissent parfaitement les cuves. Attendons les résultats de l'enquête. Le ministre de l'Éducation nationale a rendu hommage à Sabine Lorne hier soir sur Twitter, précisant que les rescapés seront suivis par le rectorat. Une page météo ce soir, une vague de chaleur annoncée en France pour la semaine prochaine. Oui, pourtant du 11 au 13 mai, on parle traditionnellement des saints de glace.
Là, il ne faut pas rêver. Dès dimanche, les températures dépasseront les 25 degrés. On va atteindre les 30 selon les régions la semaine prochaine. Alors attention, Audrey Payas a interrogé Chloé Nabédian, journaliste météo de France 2. Il va faire chaud, mais rien d'anormal non plus. Je tiens à rassurer tout le monde, il n'y aura pas de vague de chaleur la semaine prochaine. En revanche, c'est vrai qu'il y aura un coup de chaud qui va démarrer à partir de mardi prochain. Ça va continuer toute la semaine. On pourra atteindre les 27, 28 degrés à Paris. On pourrait même frôler les 30 degrés sur le piémont pyrénéen. Ça arrive déjà très régulièrement d'avoir des mois de mai un peu plus chauds que la normale. Mais voilà, c'est un coup de chaud temporaire qui n'est pas voué à durer. Normal ou pas, ces températures élevées arrivent à un moment où les nappes phréatiques sont déjà à des niveaux inquiétants. Faible pluviométrie depuis l'été dernier, un déficit de plus de 10 à 40% selon les régions. En fait, les sols sont déjà secs. Avec la chaleur ou la douceur à venir, cette sécheresse ne devrait pas s'arranger. L'été pourrait être dur. On parle d'incendies, de restrictions d'eau et évidemment les premiers impactés déjà, ce sont les agriculteurs. On sent que depuis 3 semaines, un mois, les plantes souffrent d'un manque d'eau. Et ces 10% peuvent passer à 20 ou 25%. J'espère pas 50% comme en 2020, où voilà, la sécheresse de 2020 m'avait fait perdre 50% de ma production. On a laissé le persil 2 jours sans arrosage et puis on a tout perdu, donc on arrose. On s'inquiète un peu de savoir comment vont réagir les nappes phréatiques. On a quelques boutons, mais la sécheresse fait que la croissance du pois va s'arrêter, on n'aura pas de fleurs supplémentaires. Sans irrigation, un coup de chaud et le pois, il est grillé en un rien de temps. Là où ça va être problématique, ça va être s'il ne repleut vraiment pas d'ici 15 jours, 3 semaines. Un autre phénomène météo étonnant, très loin de chez nous, en Irak. On a connu 7 tempêtes de sable depuis la mi-avril, des nuages de sable qui éteignent les villes en quelques minutes. C'est impressionnant et dangereux. Sur la dernière tempête de sable, celle que vous voyez là, c'était hier, une personne est morte et 5000 autres ont dû être hospitalisés pour des troubles respiratoires. Une autre tempête en France, celle qui couve au Parti Socialiste. Oui, par 62% des voix, le Conseil national du PS a largement adopté l'accord avec les LFI, ELV et le PC. 167 voix pour, 101 contre et 24 abstentions. Mais les plaines ne sont pas refermées, loin de là, vous allez l'entendre. D'abord, je voudrais simplement, sur ces images de Louis Amar et Audrey Payas, rendre hommage aux confrères qui ont été habitués à ces longues nuits de négociations. Regardez, ils sont là dans la salle de presse du Parti Socialiste. Il n'y a jamais eu autant de monde depuis le déménagement du PS. Depuis le déménagement, Ivry, c'est vrai. Jamais. Alors, normalement, on n'avait pas trop le droit de filmer. Mais on s'est permis quand même de capter quelques images de l'attente, de la fatigue pendant que le Conseil national du Parti Socialiste s'écharpait. Si vous pensez que votre avenir est plutôt avec Emmanuel Macron, mais très bien, si tu veux clarifier tes positions, mais je vais aller jusqu'au bout. Allez, 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 allez. Baisse un peu de ton. Baisse un peu. Mais je ne vois pas en quoi je t'insulte, parce que si tu ne te sens pas... Mais, franchement... Allez, on va... Si on pouvait retrouver un peu de sérénité. Alors, à la sortie, l'accord était ratifié, mais comme je vous le disais, on a encore quand même beaucoup de socialistes assez fâchés. Parti socialiste se réinscrit au cœur de la gauche française. Parce que nous pensons que le Parti socialiste doit être un parti de gouvernement et pas un parti qui suit la radicalité à tout craint. Nous prouvons que non, les gauches ne sont pas irréconciliables. Il y avait une autre stratégie possible, celle de notre affirmation identitaire. Aujourd'hui, c'est jouer un congrès sans les militants, parce que nous avons changé de ligne et de direction et changé d'identité. Le patron du Parti socialiste, c'est plus Olivier Faure ce soir ? C'est Jean-Luc Mélenchon ? C'est un mot très fort, mais en tout cas, moi, dans mon expression, j'ai dit que je craignais que notre parti ne se mélanchonise. Le premier secrétaire du PS, il s'appelle Olivier Faure. La direction est restée identique, elle est là, elle est avec moi, et elle va continuer son chemin. Un autre socialiste qui ne valide pas cet accord, une voix qui compte, François Hollande, sera notre invité sur le plateau de C'est à vous. Ce sera lundi soir. Juste un mot de Bernard Guetta. Je trouve ça très triste. Bon, c'est un peu comique, évidemment, toujours quand les gens se disputent bêtement, mais c'est fondamentalement triste parce que l'EPS représentait quand même depuis quelques 40 ans en France et bien avant dans l'histoire une tradition fondamentale, une tradition française, et qu'il disparaisse aujourd'hui,
il disparaît aujourd'hui. Peut-être qu'il va renaître de ses cendres. Mais pour l'instant, il disparaît. Je trouve ça affligeant, inquiétant, d'autant plus inquiétant qu'il se passe la même chose à droite. Les Républicains, l'ancien parti gaulliste, il y a longtemps, disparaît aussi, pratiquement la même chose. Ce n'est pas sain, je ne m'en réjouis pas. La disparition du Parti Socialiste et la disparition d'une série culte qui va faire ses adieux. Quand un programme est culte, il suffit de voir comme on le reconnaît au générique. Le premier épisode de Plus belle la vie, c'était le 30 août 2004 et le bruit courait ces dernières semaines. Après 18 saisons, Plus belle la vie tire sa révérence. La direction de France Télé l'a annoncé aux équipes à Marseille hier, parce que même en vrai, tout était produit à Marseille. La direction de France Télévisions promet aussi de nouveaux projets dans la cité phocéenne. Mais rendons hommage à la série phare de France 3, feuilleton quotidien le plus long de l'histoire de notre télé. Un simple feuilleton donc qui a toujours été en pointe sur des questions de société. Regardez ces deux extraits. En 2005, premier baiser entre deux hommes dans une série grand public à la télé française, et 2013, premier mariage gay. Tu veux quoi? Que je te fasse des grands serments comme un joli petit couple? Mais non. Alors fais pas chier. Au nom de la loi, nous vous déclarons époux et mari. Mais la loi venait d'être votée. Ouais, qui collait à l'actualité souvent d'ailleurs, ouais. Plus belle la vie. D'autres questions comme la toxicomanie de Luna en 2010 ou encore quand Thomas apprend à Myrta à rouler un joint à une heure de grande écoute sur France 3. Vas-y, tourne, roule. Essaye de serrer. Non, mais... Non, mais... Non, Myrta, non, non. Alors, on recommence. Voilà. Ah, mais c'est sûr. Ah, oui, c'est oui. Il y aura certainement plusieurs tests sur Plus belle la vie. Oui, c'est un document d'histoire. Hein. Ah, mais 18 ans de télévision aussi, au passage, au plus près de la société. On a évoqué le mariage homosexuel, mais... je sais pas, les élections pouvaient s'inviter dans Plus belle la vie, la Coupe du Monde aussi. Quand c'est pas Plus belle la vie qui s'invitait dans l'actu, tiens, souvenez-vous du meeting de Jean-Luc Mélenchon à Marseille. Il y avait une comédienne de Plus belle la vie qui le soutenait. Le feuilleton le plus célèbre de France risque de disparaître de nos écrans. Encore et encore sous Macron, c'est le marché qui dévore tout. Alors, il y en avait pour tout le monde, a priori, dans Plus belle la vie. Le comédien Benoît Solès, que vous voyez là, déjà récompensé par des Molières et aussi passé par Plus belle la vie, il avait aidé Valérie Pécresse sur sa campagne. Il l'avait notamment coaché avant son fameux meeting du Zénith. Ah, oui, exactement. Exactement. C'est lui. Plus précisément, pour lire le prompteur miroir, il avait nié, lui, avoir coaché la candidate sur le meeting à proprement parler, ou alors il l'assumait moyen. Le loup est arrivé en Bretagne. C'est une première depuis un siècle, mais la présence de loups a été confirmée par la préfecture sur la commune de Bérien. On est dans les Monts d'Arrée, c'est la pointe de la Bretagne, en plus le Finistère. Un individu qui a été filmé par une caméra automatique 110 ans après que le dernier loup a été tué par des chasseurs. On le voit là, à l'image. Les experts l'ont confirmé, mais bon, je me suis dit, il n'y a pas besoin d'experts, on voit que c'est un loup, a priori. Les associatifs bretons affirment que ce loup pourrait être seul et de passage. En revanche, l'Observatoire du loup, basé en Alsace, parle plus sur la présence de 10 à 20 individus. Ah oui, donc il y en aurait 10 comme ça. C'est beau un loup comme ça. Oui, c'est beau. Oui. Enfin, c'est beau en image, en une dimension, en trois, je ne suis pas sûre. Merci beaucoup Mathieu pour ce 5 sur 5 qui est arrivé à son terme. Et je crois qu'on peut le saluer d'une salve d'applaudissements. Bravo Mathieu. Merci beaucoup Bernard Guetta d'avoir accepté merci notre invitation. Merci cher Pascal Auris, ce côté obscur merci. Du peuple. C'est disponible chez Bouquin, la collection. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, hop, retour en arrière, 40 ans plus tôt. Zouk Machine, Patrick Cohen était comme un dingue. Il démarrait sa carrière de journaliste en Guyane. Il vous raconte ses souvenirs dans un instant. Spécial Star 80 après 20h.